Bonjour à tous, voici l'histoire de Samy et Julie à l'école maternelle. Ce matin, papa accompagne Samy et Julie à l'école maternelle. Sur le chemin, Julie ramasse de belles feuilles d'automne. Moi, je préfère les marrons, dit Samy. Je vais en offrir plein à la maîtresse. Arrivés à l'école, Samy et Julie montent les escaliers. Avant d'entrer dans la classe, Samy accroche son manteau au porte-manteau. Puis il dépose son doudou dans le panier à doudou. Bonjour maîtresse, dit Samy. Bonjour Samy, répond la maîtresse. Tu peux prendre ton étiquette et la fixer au tableau. Samy se dirige vers la table et choisit son étiquette. Il est fier, il la reconnaît facilement. Dans la classe, Samy s'assoit à côté de son copain Tom. Choisissez votre activité, déclare la maîtresse. Dessin, puzzle ou pâte à modeler, n'importe. Papa dit au revoir car il doit accompagner Julie dans sa classe. Bonne journée, Samy. Les parents sont partis. Venez tous vous asseoir sur le banc, nous allons chanter une comptine, annonce la maîtresse. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux, il sort sa tête. Après la récréation, c'est l'heure de l'activité de motricité. Oh oui, j'adore! S'écrie Samy. Tour à tour, les élèves rampent dans des tunnels, passent dans des cerceaux et escaladent des échelles. Par la fenêtre, Samy aperçoit Julie. La matinée est passée en un éclair. C'est déjà l'heure de manger? Oh, moi j'aime bien la cantine, dit Samy. Surtout quand il y a du poulet et des frites. Un animateur remplit les assiettes. Miam, les enfants vont se régaler. À la récréation, Julie fait du toboggan et Samy joue à chat. Attention, je vais t'attraper! Crie Samy à Tom. Tu ne veux pas plutôt jouer au ballon avec moi? Demande Léo. Après le repas, Julie va se reposer sur un tapis dans sa classe et Samy retrouve son doudou dans le dortoir des petits. Plus un bruit, souffle la maîtresse. Les petits coquins doivent se reposer. Samy a déjà les yeux fermés. En se réveillant, Samy va aux toilettes pour faire pipi. Après s'être lavé les mains, il retourne dans la classe pour enfiler son pantalon et ses chaussures. C'est déjà l'heure des parents. Les enfants attendent sur le banc. La maîtresse appelle Samy. Samy, ton papa est arrivé. Rentrons à la maison, dit papa. Vous allez me raconter votre journée. Et voilà la fin de l'histoire. N'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner. Merci et à la prochaine!